الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai du mal à trouver les mots pour exprimer cette immense joie que je ressens d'être parmi vous aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala seul est témoin à quel point je suis vraiment ravi de rencontrer mes frères et mes sœurs du Mans et des villes voisines. Qu'Allah tabaraka ta'ala récompense mes frères qui m'ont invité, le frère Salim et son association, jazakumullahu khair. Qu'Allah tabaraka ta'ala vous récompense pour votre déplacement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cette heure. Qu'Allah tabaraka ta'ala fasse que ce soit une heure où on partage ensemble de la spiritualité, de la fraternité, qu'on se rapproche les uns des autres, que notre amour les uns envers les autres augmente. Haqiqatan, pour être vraiment franc avec vous, je ne peux pas m'empêcher de vous dire ces paroles avant de commencer. Vous savez, quand on est conférencier, imam, peu importe le titre, et qu'on se déplace pour rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, et que les gens ils commencent à nous appeler cheikh et à nous mettre sur un piédestal, à nous élever en degré, à nous prendre pour ce qu'on est loin d'être, à remplir les salles pour venir assister à nos conférences, moi, en ce qui me concerne, ça me fait un pincement dans le cœur. Parce que on est loin d'être ce que vous imaginez de nous. Loin. Et pour ce qui est de mon cas, je suis, comme le dit un de nos anciens, وَغَيْرُ تُقَى يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتُقَى طَبِيبُ يُدَوِ النَّاسَ وَالطَّبِيبُ عَلِيلُ. Et je me reconnais entièrement dans ça. Il n'est pas pieux et il invite les gens à la piété. Il est semblable à un médecin qui est malade. Écoutez bien. Il est comme quoi, tabib yudawi an-nas wa at-tabib ali. C'est un médecin qui va apporter des soins pour les gens alors que lui-même il est malade. Enfin, je ne suis pas du tout meilleur que vous, ça comprenez-le. Je ne suis pas plus éloquent que vous. Je n'ai pas plus de savoir que vous. Je ne suis pas meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous. Simplement Allah subhanahu wa ta'ala il m'a éprouvé par le fait d'être derrière le microphone, être invité à droite et à gauche, et je demande à Allah tabaraka ta'ala d'accepter nos œuvres. Personne n'a dit amin. C'est pas payant. Et je demande à Allah tabaraka ta'ala de m'accorder la sincérité ainsi qu'à vous, et que ce que l'on fasse, ce soit khalisan li wajhi subhanahu wa ta'ala, que ce soit sincère pour Allah tabaraka ta'ala, car sans ce ikhlas, cette sincérité, tout ça, ça va tomber, ça va couler, ça va s'effondrer. Ça ne tient pas. Et la fréquence de l'intention, elle est fine. Si ce n'est pas ajusté, tout tombe à l'eau. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je me retrouve invité, ça me fait énormément peur. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Et je demande à Allah tabaraka ta'ala de me préserver. Trois personnes ont dit amin. C'est là où on voit les gens qui te veulent le bien ou pas. Taïb, rentrons dans le vif du sujet. On m'a demandé de parler de la banalisation du péché. C'est un thème que j'avais déjà fait et que certains peut-être ont écouté, même appris par cœur. C'était l'un des premiers thèmes qu'on avait fait sur le site doulous.net. Et ce thème, bah, vous l'avez compris, c'est le fait de banaliser le péché. Hein? C'est ulfat adh-dhanb, le fait d'arriver à un stade où faire le péché, c'est quelque chose de naturel pour moi. Ça fait partie de mon quotidien. Et c'est normal, et je trouve pas normal quelqu'un qui ne le fait pas. Et ça aujourd'hui, vous ne pouvez pas le nier, que ce soit ici en France ou ailleurs, même dans des pays de musulmans, on a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens qui ont fait le péché une fois pour au début, le début ça faisait bizarre, on ne se sentait pas à l'aise. Deuxième fois, Shaitan il nous a aidé, donc ça va un peu mieux. Troisième fois, quand on fait le péché, bah ouais, ça va, finalement j'arrive, hein, je suis un bonhomme.
Quatrième fois, cinquième, sixième, septième, huit, neuf, dix, quinze, ça se compte plus. À la fin, celui qui ne le fait pas, je le vois comme étant quelqu'un de bizarre. Et on vit ça. Et ce qui nous sera demandé, Inch'Allah, tout au long de cette conférence, ce sera de faire une analyse, un bon constat, et après, bien sûr, pas simplement finir sur le constat, mais trouver des solutions. D'accord ? Parce que nous, dans notre communauté, à chaque fois, on voit des gens soulever des problèmes et faire des constats négatifs, mais rares sont les fois où on trouve des gens qui, après avoir fait le constat, cherchent les solutions. On est très fort, on a un don pour trouver tous les problèmes qu'il y a dans la communauté. Nous, il nous manque ça. Il nous manque une mosquée. Il nous manque une école primaire ou maternelle privée pour les musulmans. Il nous manque, il nous manque, il nous manque, il nous manque, il nous manque. Taïb, qui agit ? C'est pas nous. Inch'Allah, ça va venir un jour. Donc, on va faire un constat, Inch'Allah, ensemble. Puis après, on va voir les solutions. Alors tout d'abord, pour commencer, sache, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, que tu n'es pas une personne banale. Tu es un musulman. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'a choisi pour être musulman. De toute sa création et de toutes les créatures, je parle des humains vivants sur terre, qui sont plus de 6 milliards, tu fais partie, toi, de ceux qui disent « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». Ça déjà, c'est le plus grand cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Il faut qu'on en soit bien conscient. Le plus grand cadeau qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné, c'est l'islam. Tu es musulman. Certains par héritage, d'autres ils ont fait des recherches et ils ont embrassé l'islam, les reconvertis, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé ce cadeau. Il nous a accordé comme cadeau d'être parmi la meilleure communauté. Nous, on fait partie de la meilleure communauté. La communauté de Muhammad alayhi salatu wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Donc on fait partie de la meilleure communauté. On a reçu le meilleur délire qui est Al-Qur'an. Le meilleur des prophètes et le sceau des prophètes qui est Muhammad alayhi salatu wa sallam, n'est-ce pas? On prie derrière la meilleure Qibla. La Mecque, n'est-ce pas? Eh bien, si nous, on fait partie de cette meilleure communauté, on a le meilleur livre, le meilleur prophète qui est un modèle pour nous, il faut que nous, on soit les meilleurs dans tout. Et vous êtes d'accord avec moi que nous, on nous a beaucoup appris à être les meilleurs dans l'école, mais concernant le dîn, pas tous les parents ont insisté comme ils ont insisté pour l'école. Mon fils, réussis, travaille. Mon fils, fais tes devoirs, sinon tu seras un clochard. Vous la connaissez cette phrase, hein? On a entendu que ça. Travail ou clochard, il n'y a pas juste milieu, tu vois. Tu bosses pas, tu seras un clochard. Donc, on nous a rabâché ça plein de fois, mais malheureusement, beaucoup de parents ont négligé le côté religieux. Ils ont négligé le côté religieux, à la fin, on a une jeunesse, on a des gens qui ne sont pas fiers d'être musulmans, qui ne sont pas armés au niveau de la science religieuse, qui sont ignorants, qui et j'en passe. Donc à partir du moment où nous on est la meilleure communauté et qu'on doit être les meilleurs, donc au niveau religieux, mais aussi au niveau de dunya, et de ne pas en négliger un des deux, parce qu'aujourd'hui, surtout chez les jeunes, à 18, 19, 20, des fois un peu plus, un peu moins, dès qu'il a son fameux déclic et qu'il revient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est magnifique ce qu'il ressent. Tu sais, une lumière pénètre son cœur et ça lui révolutionne sa vie. Il a envie maintenant d'œuvrer dans le bien, il a envie, il a envie, il a envie. Mais souvent, c'est à ce moment-là qu'on a des extrêmes qui naissent. Des extrêmes. Soit il veut abandonner directement les études pour la science religieuse, soit pour autre chose, et c'est là où on aimerait un équilibre. Que le musulman étudie sa religion, mais il étudie aussi les sciences de ce bas monde, parce qu'on a besoin des deux. On a besoin des deux. L'imam Echef, rahimahullah, je donne tout le temps cet exemple, parce que ça leur parle quand on parle de quelqu'un parmi les grandes écoles. L'imam Shafi'i rahimahullah, c'était un médecin et c'était un imam parmi A'immat al-A'imma al-Arba'a, un parmi les imams des quatre grandes écoles, n'est-ce pas? Et il n'était pas le seul. Beaucoup de nos ancêtres, ils ont réussi à concilier entre les deux sciences. Donc, on est la meilleure communauté, pas simplement dans les umur dunyawiyya, les choses de ce bas monde, mais aussi dans le dîn. Dans le dîn, il ne faut pas qu'on se limite à se dire « Je fais mes cinq prières, je suis un super muslim. » Faut arrêter, franchement. En plus, allez, on analyse un petit peu nos cinq prières. Elles durent combien de temps?
entre takbirat al-ahram et taslim, le fait de dire salam alaykoum, tu peux chronométrer. Tu peux mettre un chrono. Tu vas être impressionné, mon frère. 30 secondes. 17,4 secondes. C'est une manière, bien sûr, de c'est une image. C'est pas des prières, ça. C'est des gestes mécaniques. Pareil pour dhikr, notre relation avec le Coran, notre relation avec les larmes qui coulent par crainte d'Allah, notre relation avec les prières de nuit, notre relation avec le jeûne surrogatoire, notre relation. C'est là où tu t'aperçois, on a trop de faiblesses dans le côté religieux. Et on dit, là, mon frère, je suis mieux qu'un tel. Mais mieux un tel, tu te compares à qui? Bah, celui qui prie pas, celui qui est pas dans la religion. Mais c'est pas comme ça qu'on se compare dans la religion. Quand on se compare dans le dîn, on regarde toujours ceux qui sont a'la, au-dessus de nous. Mais par contre, pour l'humour et l'duniaoui, les choses de ce bas monde, je regarde ceux qui sont en dessous. Ça fait 5 minutes, j'ai pas encore eu d'eau. Hein. Attention à ce que je vais écrire sur Facebook sur vous. Laisse. Ensuite, après avoir dit tout ça, sachez, Ahbab al-Kiram, et je m'adresse dans un premier temps à la jeunesse. La jeunesse, c'est le moteur de la communauté. Les parents qui sont ici sont d'accord avec nous que le plus grand souci aujourd'hui, c'est nos jeunes. Si nos jeunes y réussissent, et d'ailleurs, tous les pères de famille, toutes les mères de famille, leur seul souhait, c'est que leurs enfants ils soient meilleurs qu'eux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils veulent que leurs enfants soient meilleurs qu'eux. Si moi, voilà, كنت ضعيف في هذا الجانب, dans ce point-là, j'étais un petit peu faible, je veux que mon fils, lui, soit fort dans ce point et dans l'autre. Donc, la jeunesse, l'âge des désirs, de l'énergie, des passions, du romantisme. Les jeunes, ben, on va commencer par ce premier point qui est devenu totalement normal et qui s'est banalisé et qui fait partie des péchés, c'est qu'ils commencent à chercher un autre amour que celui des parents, du frère de sang, de la sœur de sang, du frère en Allah, de la sœur en Allah. Ils vont chercher un amour qui va satisfaire leurs désirs affectifs, sentimental et passionnel. Alors, que tu sois au boulot, à l'université ou n'importe où, tu trouveras beaucoup d'hommes et de femmes dont les relations sont très ouvertes. Très ouvertes. Et quand tu leur parles, tu leur dis, mais fais chara, fais digna, des limites. Oui, on peut parler avec une femme, mais des conditions, des limites. Tu t'écoutes, c'est normal, tout le monde fait ça. C'est normal, tout le monde fait ça. Et bien aujourd'hui, on va voir toutes les choses qui sont devenues normales aux yeux des gens, sous prétexte que tout le monde les fait. Et après, ben, juger à la fin. Moi, ce que j'aimerais à la fin, c'est qu'après vous avez pris des notes, vous me dites, si tout ça c'est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal? Donc ça sera la question, la seule question que je vais vous poser à la fin. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu normal. Les femmes aiment que les hommes les remarquent, leur fassent des compliments sur leurs vêtements, la chevelure, la bouteille de parfum qu'elle a vidée le matin. Donc elles aiment ça, à la fac, dans la rue, centre commercial, hommes et femmes rigolent ensemble, se disent des paroles qui satisfassent les désirs. Tout cela, c'est dangereux. Ils ne s'en rendent pas compte, mais pour eux, c'est normal. Et ces gens-là, ils ont oublié quoi? Qu'Allah, tabaraka ta'ala, il a dit « Alam ya'alam bi anna Allah yara ». Alors nous, ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah, c'est qu'à chaque fois qu'on va parler de ce mot normal, ce verset, il faut qu'il ressonne dans nos têtes. « Alam ya'alam bi anna Allah yara ». Allah, tabaraka ta'ala, a dit « Ne sait-il pas vraiment qu'Allah voit ?» Ne sait-il pas vraiment qu'Allah voit ? Toi qui as commis par exemple tel ou tel péché. Pendant ce moment-là, pendant que tu es en train de le commettre, tu es d'accord avec moi que tu es en train de te cacher des yeux de tout le monde. Tu ne voulais pas que tes voisins te voient, ta voisine te voit, les membres de ta famille, n'est-ce pas? Tous ces gens-là, il ne fallait pas qu'ils te voient. Eh bien, rappelle-toi de ce verset. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Où est passée cette muraqaba? Hein? Cette peur du contrôle permanent d'Allah tabaraka ta'ala sur nous. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, pendant qu'il était calife, une fois il est sorti de chez lui et la nuit il est en train de vérifier un peu l'état de son peuple et il a entendu de derrière une porte une mère dire à sa fille, ma fille, prends le lait
et mélange-le avec de l'eau, comme ça quand on va le vendre, ça fera plus de d'argent. Et donc, la fille lui a dit, maman, mais Amir al-Mu'minir, le prince des croyants Omar, il a interdit cela. Il nous a interdit. Elle lui a dit, aïna Omar al-Al, il est où Omar là, il ne nous voit pas. Elle lui a dit, mais si Omar lui ne nous voit pas, le Seigneur de Omar lui nous voit. Ça, on a du mal avec ça. C'est vrai ou pas? C'est pour cela qu'on se lâche, sur Facebook. Oui ou non? Il n'y a personne qui nous voit. On y va. Invité, ceci, cela, on voit une photo, test, ça peut être la perle rare, la bague au doigt et tout le mytho, la consolante. C'est vrai ou pas? Et lâche-toi sur Twitter, et lâche-toi par SMS, et lâche-toi sur un forum, et lâche-toi ici, et tape un sourire dans l'école arabe devant la porte à un frère qui est passé, mashallah, sunna. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc quand tu leur demandes, mais pourquoi est-ce que... C'est quoi ces relations? C'est quoi? C'est normal, elle vous le dit. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde fait ça. La plupart des gens, en plus, qui vont sur Internet, c'est pourquoi? Pour chatter. Vous savez, on n'aime pas la solitude. On n'aime pas rester seul. Donc on aime avoir soit nos frères, soit nos sœurs, rester avec maman ou papa, ou des amis, ou au téléphone. Mais la solitude, on n'aime pas. Alors que beaucoup de nos pieux prédécesseurs, ils aimaient trop la solitude pour pouvoir s'isoler et parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. S'isoler. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il dit, recherche ton cœur dans trois moments. Le premier, c'est عند سماع القرآن. Quand tu écoutes le Coran, ton cœur il ressemble à quoi? Réceptif ou non? Le deuxième moment, c'est حلق الذكر, les cercles d'évocation comme ça. Est-ce que ton cœur il revit d'entendre quelqu'un te parler d'islam? C'est pas forcément Nader, et de toute façon Nader il a rien d'impressionnant, il ne fait que de répéter Al-Qur'an wa Sunnah. Et le troisième point, c'est quoi? Une bouteille, Mashallah. Ah, on fera après 15 minutes, vous m'avez fait sécher la gorge. C'est pas grave, je vous pardonne, ne vous inquiétez pas. Je vous taquinais depuis tout à l'heure, vous ne m'en voulez pas. Après, vous dire, c'est pas grave, faut plus l'inviter, tout ça pour de l'eau. Bien glacé. Hein. Je vais me faire tomber malade. Je sais comment l'orchestre, les frères. Hein. Donc, je reviens à dire que recherche ton cœur dans trois moments à Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu quand tu écoutes le Coran. Deux. Il n'y a qu'une personne qui a retenu. Vous êtes où, les frères? À la fin, vous allez sortir de dire oh, c'était bien, moi, je t'as rien retenu. Comme la plupart des conférences. Consommateur de conf. Et troisième point, c'est quoi? Le troisième point, c'est fil khalawat. Quand tu es seul. Recherche ton cœur quand tu es seul. Quand tu es seul, donc la porte de ta chambre fermée, tu as un PC ou un téléphone ou un iPhone ou un iPad ou ce que tu veux devant toi, un écran ou autre, une télé, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu regardes? Quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Dans la rue, quand tu marches, tu n'es pas accompagné de quelqu'un. Tu regardes quoi? Et quand est-ce que tu baisses le regard? Comment est-ce que tu te comportes quand tu es seul? Ibn Mas'ud, il a dit, trois moments, analyse ton cœur. Un, quand tu écoutes le Coran, est-ce que tu es heureux ou pas? Deux, quand tu es dans un cercle d'évocation où tu entends parler d'Allah et de son prophète, alayhi salam. Et trois, al-khalwa, quand tu es seul. Il dit, Ibn Mas'ud, si tu ne trouves pas ton cœur dans ces trois moments, demande à Allah qu'il t'accorde un cœur car tu n'en as pas. Et si tu n'as pas de cœur, tu es en danger. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, qu'est-ce qu'il regarde? Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni les biens ni l'argent ne seront d'aucune utilité, sauf ceux qui se présentent à Allah avec un cœur saint. Un cœur saint. Notre objectif dans cette vie, c'est de purifier ce cœur. C'est le roi des membres. Notre travail, c'est de se concentrer sur lui. Attention, se concentrer sur le cœur, ça veut dire quoi? Parce que beaucoup de gens vont dire, Achille, moi je prie pas, mais mon cœur, viens voir. Comment ça, viens voir déjà? Un, deux, qu'est-ce qu'on sait qu'il est bien? Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Trois, s'il est bien, pourquoi tu pries pas? C'est pas logique. S'il est bien, il doit t'amener à faire des bonnes actions, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas dans le hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans selon Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, Allah ne regardera pas ni vos corps ni vos images, mais il regardera le jour du jugement quoi?
Vous n'avez pas mangé? Vos cœurs et vos actes. D'accord? Donc, il faut faire attention à son cœur et au moment de solitude. Donc, quand tu vois aujourd'hui ces gens-là qui vont sur le net et qui sont en train de surfer, tout ça, et que tu leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? Tu te dis, mais mon frère, c'est normal. Ce qu'on fait là, c'est normal. Donc ça, c'est normal. Parler avec des filles, c'est normal. Sortir avec des filles, c'est normal. On continue. Avant, les gens pouvaient perdre leur temps pendant des heures à chatter avec une personne inconnue du même sexe. Donc un homme qui parle avec un autre homme. Mais maintenant, non. Maintenant, ils préfèrent parler avec le sexe opposé. Et il leur arrive de négliger leur religion à cause de leur occupation avec ces personnes. Et quand tu leur parles, ils te disent, c'est normal. C'est normal, mon frère, le mariage, il a un début. Je suis dans les débuts, laisse-moi me construire. Ça, c'est normal. Malheureusement, parmi ce qui est devenu normal, c'est que les parents encouragent ce type de relation. Bien sûr, je ne généralise pas, mais j'ai entendu pas mal d'histoires où la maman motive la fille à s'habiller, comme on dit, sur son 31. En plus, c'est dans pas longtemps, le 31. Faites gaffe. Donc, elle se met au top et la maman, elle est là, elle check. Hein. Mais ma fille, non, attends, non. Hé, ça fait 2 ans, on est en train de le chercher. Sois raisonnable. Bien sûr, je suis en train de toujours exagérer un petit peu pour, vous m'avez compris, montrer ces images. Donc, ou bien, c'est des fois les parents qui acceptent normalement cette relation et qui vont même plus loin que ça. Moi, de mes yeux, hein, mes propres oreilles, j'ai entendu des mères et des pères de famille autoriser non seulement qu'une relation de manière non licite entre un homme et leur fille, comment dire, leur, une fille et leur fils naissent, mais en plus de ça, quand il y avait des rencontres entre donc leur fils et cette fille, mon fils ramène à la maison, et même tu peux fermer à clé la porte de la chambre, on ne te dérangera pas. C'est ton droit. Donc quand on a des parents qui font ça et qu'on les questionne et qui disent c'est normal, ça aussi c'est normal. Et après, voilà. T'entends quoi comme prétexte de la part de certains parents? Ben, tu dois le connaître. Tu peux pas t'engager comme ça. On n'est pas en train de pêcher un poisson dans l'eau. Eh, c'est fini, hein, les histoires d'à l'ancienne, là, les mariages arrangés, tout ça, là. Aujourd'hui, il faut que tu sortes avec lui, tu manges au resto, tu regardes, il aime le saumon, le caviar, les fruits de mer. C'est de la folie, tu vois. Et isole-toi, il n'y a pas de problème, normal. Monsieur Facebook aussi. Ah, lui, il en a fait des ravages. Donc, on avait des relations au début qui naissaient comme ça, de par l'école, le boulot, tout ça. Et Facebook, lui, ça a été un pont qui a relié les gens beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait imaginer. C'est vrai ou pas? Aujourd'hui, sur une page, tu peux avoir je ne sais pas combien de milliers d'amis. Des gens que tu connais et que tu ne connais pas. Et les gens n'ont pas de problème à accepter une invitation. Et des fois même, quand ils cherchent à inviter quelqu'un, c'est selon là. Ah, il s'y connaît. Je savais qu'il y en avait un, il allait tomber dans le panneau. Selon la photo, n'est-ce pas? Selon la photo, c'est normal. Donc aujourd'hui, c'est devenu normal qu'une sœur mette sa photo dans une page où elle ne met pas n'importe quelle photo, attention. Et le frère, pareil, le frère, il va pousser toute l'année les barres de fer pour cette photo. Toute l'année, dans la salle de sport, il est en train de se crever les bras. Il n'en peut plus, il est ruiné, il prend des médicaments, il prend des cachets, tout ça, pour que dans la photo et à la plage, il clean. C'est vrai ou pas? Parce qu'en fait, il y a un objectif, c'est juillet-août. De l'autre côté, pareil. La sœur, elle est tombée dans les filets de Satan. Sa photo est sahbi. Du lourd. Comme on dit, du très lourd. Les paillettes, un pet de sourire. Tu vois, le hijab brillant, le ci, le ça, la panoplie. Tu leur dis, mais pourquoi vous mettez vos photos comme ça? Bah c'est normal, taïb. Tout ça, c'est devenu normal. Le pire, c'est que la plupart de ses amis, à ce frère, c'est des femmes, et de l'autre côté, c'est des hommes. Ils peuvent partir même ensemble en voyage, avec la fac, et bien sûr, dans le voyage des ahwal, des retours catastrophiques. Tout normal, sans contrôle, sans savoir ce qui se passe là-bas.
Ces gens-là veulent connaître l'amour et le romantisme. Ils veulent aimer et être aimés pour sentir qu'ils sont comme les autres et se libérer de leurs menottes. Savez-vous que les cœurs appartiennent à Allah tabaraka ta'ala? Et écoutez la suite. Et Allah tabaraka ta'ala est jaloux que tu aimes quelqu'un plus que lui. Selon Buraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: Allah, le Très-Haut, est jaloux. Ce qui provoque la jalousie d'Allah, le Très-Haut, c'est quand l'homme fait ce qu'Allah lui interdit de faire, rapporté par Bukhari et Muslim. Allah Azzajal aime les croyants. Et il est jaloux de voir un croyant qui a quelqu'un d'autre que lui Azzajal dans son cœur. Ma sœur, imagine que ton mari prenne ton portable et qu'il tombe sur un SMS d'un homme qui travaille avec toi et qui, cet homme, il prend tes nouvelles. Salam alaikum, Soumaya, il y en a sûrement même dans la salle. Salam alaikum, Soumaya, comment ça va? Journée pas trop dure? Et que toi, tu lui réponds à ton mari: mais normal, c'est un collègue du travail. C'est un collègue du travail. C'est une catastrophe que ton collègue rigole avec toi, discute avec toi, prenne de tes nouvelles, te dise de bonnes paroles. Mais la plus grande des catastrophes serait que tu répondes à ton mari qui t'aime que c'est normal. Que c'est normal qu'il tombe sur un SMS de ce type. Pourquoi? Parce que vous le savez, que l'homme, il est jaloux. N'est-ce pas? Il est jaloux. Et c'est normal. Ça, oui. Alors, qu'en est-il de notre Seigneur, Azzawajal, lorsqu'il trouve quelqu'un d'autre que lui dans nos cœurs? Il faut que ton amour soit pour Allah et qu'il soit solide. Allah, tabaraka ta'ala, entend tout ce qu'on dit et voit tout ce qu'on fait. Si tu veux aimer et être aimé, consacre cet amour pour ton mari ou ta femme. Donc, les jeunes veulent rigoler avec les femmes, s'amuser avec elles, les prendre dans leur voiture, mais ce que l'homme et la femme doivent faire, c'est de ne pas accepter ça. Car Allah tabaraka ta'ala n'aime pas ça, n'aime pas cette situation. Sois différent des autres, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. Même si tous les garçons et filles vont dans des extrêmes dans leurs relations, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ne glisse pas, sois différent d'eux. Toi, tu n'es pas ce banal, cette personne qui est toute la journée en train de dire normal, normal, comme tous les autres. Toi, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es un musulman. T'es un musulman, tu n'auras pas le même mode de vie que ces gens-là. Il y a tellement de choses que l'on voit qui sont immorales, mais on les considère comme étant normales. Et ce, à force de les avoir vues. Combien de fois on a vu un homme et une femme dérailler et toujours dire normal? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné deux yeux. C'est pourquoi? C'est pour qu'on les utilise dans le bien. Deux oreilles pour qu'on les utilise dans le bien. Une langue pour qu'on l'utilise dans le bien. Une main pour qu'on l'utilise dans le bien. Deux mains afouanes pour qu'on les utilise dans le bien. Les pieds, pareil. Allah Azza wa Jalla nous rappelle: Alam naj'al lahu 'aynayn, ne lui avons-nous pas assigné deux yeux? Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a envoyé des yeux, il t'a créé des yeux, pas pour que tu les utilises dans le haram, que ce soit sur la toile ou autre, mais pour que tu les utilises uniquement dans ce qui va le satisfaire Azza wa Jalla. Aussi, parmi les choses qui est triste, c'est que c'est devenu plus que normal qu'un homme et une femme fassent connaissance, donc avec le père et tout, dans les règles de l'art. Et après, ben, ils sortent ensemble, et ils mangent ensemble, et ils prennent la voiture ensemble, etc. Ils ne sont pas encore mariés, ils sont dans la période dite fiançailles. Et ça, c'est normal. Donc, toi, pour toi, mon frère, c'est normal que tu fasses. Après, ça ne marche pas, tu laisses tomber l'affaire. Ensuite, c'est un autre homme qui vient, et pareil, il sort avec elle, etc. Et après, un troisième, la réputation là, de la sœur, tu l'as préservée. Et mis à part ça, est-ce que tu aimerais qu'on traite ta sœur de la même manière? Donc, il faut faire attention à tous ces points. Aussi, parmi les choses qui sont devenues normales, c'est le fait que certains frères s'isolent avec des membres de la famille, une cousine, dans une seule pièce. Ou bien que la cousine, elle enlève son hijab devant son cousin ou devant le mari de sa tante, etc. Et à chaque fois qu'on parle avec les gens, ils nous disent normal, 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 normal. On continue. Et c'est à partir de ça que les problèmes et les catastrophes apparaissent dans les familles. Que aussi la fille considère que c'est tout à fait normal qu'elle accueille son beau-frère en l'absence de son mari. Pourquoi? Parce que c'est le frère du mari. Donc ça, c'est normal. Alors que Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Alhamu al-Maout. Il a dit les proches de la famille, donc de l'homme,
en parlant des hommes, hein, c'est considéré comme étant la mort. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à s'isoler avec ta femme. Et là, plein de frères vont dire, mais attends, frère, mais c'est un truc de fou quand même. C'est-à-dire, moi, mon propre frère, il ne peut pas rester avec ma femme, genre dans mon absence, il boit un café avec elle. Le prophète, alayhi salam, c'est pas mes paroles, il a dit non. Mais attends, mais c'est grave quand même. Ben écoutez cette histoire. Les histoires, ça parle beaucoup. Une fois, il y a une sœur qui était mariée. Son mari, il faisait beaucoup de voyages pour le travail. Beaucoup. Et à chaque fois donc, que le beau-frère il tapait à la porte, ben, que le mari soit absent ou non, ben, rentre, je te fais un petit thé, il arrive dans pas longtemps. Ou il est là et je vais l'appeler. D'accord ? Et ça arrive beaucoup, ça, par coutume et traduction chez nous, c'est normal. Et un jour, bah, comme c'est devenu normal qu'à chaque fois il rentre à la maison, même si le mari n'est pas là, bah, ce qui s'est passé, c'est que le mari était en voyage, il a tapé à la porte, rentre. Bah, ça y est, c'est devenu le classique maintenant. Rentre, un petit thé ou café, tout de suite ça arrive. Après, il se faufile dans la chambre des filles de son frère et il voit un écran de télévision hein, avec, ça y est, avec le combiné magnétoscope, là, deux en un, à l'ancienne. Vous avez plus ça, vous savez, c'est sur le mur. Donc il vient, il rentre dans la chambre, il allume la télé et immédiatement il tombe sur un film. A'oudhou billah, un film, vous avez compris, où il y a du haram. D'accord ? En voyant ça, il est choqué. Il est choqué que dans la chambre des filles de son frère, il visionne ça. Mais choqué, c'est pas choqué, il éteint. Il regarde. Elle rentre. Donc, la femme de qui ? De son frère. Qu'est-ce qui se passe ? Il lui dit, garde tes enfants. Regarde. Ça a été rapide, hein. Shaitan, tu connais, hein. Tac, 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 tac. Passement de jambes, hop, petit pont. Ils sont tombés, voilà, il y a de la tension dans la fornication. Et après, cette sœur, elle a appelé un savant pour lui dire, Cheikh, je suis enceinte du frère de mon mari, qu'est-ce que je dois faire ? Vous comprenez maintenant Al-Hamul Maout. Donc en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on va enfreindre les règles de l'islam, on va se retrouver dans un problème. Et toutes nos solutions, elles sont dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut faire très attention à ces relations. Hein? J'ai insisté dessus, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça s'est normalisé, banalisé. Et le péché est devenu donc normal. Et même, on va jusqu'à s'en vanter de le faire. Combien de jeunes aujourd'hui se vantent de commettre la fornication ? Combien ? Dans vos écoles ? Ils se comptent ? Est-ce qu'ils se comptent ? Non. Tous ? Alors, raconte hier, raconte ton week-end. Et c'est parti, ça y va. Bon, d'abord, t'as vu, on a commencé par faire un tour. Après, on a roulé un joint. Après, c'est ce qu'on entend ou pas ? Hein ? On s'est défoncé. Et ils sont contents, Farhanine, mon frère. Oh là là, le top, il a vécu le luxe. Le luxe dans la désobéissance, oui. Et dans tout ça, Alam ya'lam bi anna Allah, ne sait-il pas qu'Allah voit tout ça, c'est facturé, mon ami, c'est facturé. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudusi d'Abi Dharr qui est rapporté par le musulman ? Il dit que le jour du jugement, faman wajada khayran falyahmadillah. Le jour du jugement, si tu trouves dans ton compte, tu auras un livre, n'est-ce pas ? On est d'accord dessus ou pas ? Que soit tu auras un livre de la main droite, soit un livre de la main gauche. Taïb. Quand tu prendras ton livre de la main droite, tu vas l'ouvrir. Et ben, tu vas voir que des bonnes nouvelles. De la main gauche, c'est des mauvaises nouvelles. Et ben, Allah subhanahu wa ta'ala dit quand tu vas ouvrir ton livre, si tu trouves du bien, remercie Allah. Falyahmadillah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Et celui qui trouve autre que du bien dans son registre, dans son livre, qu'il ne blâme que sa propre personne. Viens pas le jour du jugement faire le malin de dire je vais balancer un tel. Tu sais, c'est pas un tribunal où tu peux t'en sortir. Hein. Ça, c'est un tribunal où la décision, il n'y a pas de piston, d'avocat, il n'y a rien. T'es toi devant Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith de Adi ibn Hatim qui est rapporté par Bukhari Muslim. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit il n'est pas un d'entre nous qui ne parlera pas à Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il n'y ait aucun intermédiaire entre lui et Allah. Il n'y aura pas d'intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce jour-là, il faut toujours le garder en tête. Toujours. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit dans le hadith de Tirmidhi, il a dit Akthiru min dhikri had min ladhab. Multiplier le rappel de celle qui brise les désirs et les plaisirs, c'est la mort. Parce qu'à chaque fois qu'on repense à la mort, c'est un frein. Ça nous freine. Quand on pense à la mort, c'est la première étape
qui te fait voyager vers l'autre monde. Et après, dans l'autre monde, ça y est, première station, c'est la tombe. Deuxième, c'est la résurrection du jour du monde. Troisième, c'est le muhasaba. Après, le pont, les balances, il y en a beaucoup. On va les valider, toutes ces étapes. Mais pour les valider, il faut que sur Terre, tu arrêtes de te comporter en disant à chaque fois, normal, normal, normal. Pour valider ces examens, c'est pas facile. Et il n'y a pas de session de rattrapage. C'est ça passe ou ça casse. Et pour que ça passe, il faut faire super attention. Donc on continue. N'oublie jamais que tu désobéis Allah tabarak wa ta'ala en faisant cela avec ces relations illicites. Et le pire, c'est que les gens aujourd'hui autour de nous nous encouragent à faire ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Compte les gens qui ne sont pas sortis avec des filles, qui ne sont pas sortis avec des garçons. Qu'est-ce qu'on dit d'eux déjà? Déjà leur nombre, parce qu'ils sont nombreux. Deux, qu'est-ce qu'on dit d'eux? On dit, ah oui, c'est pas que deux. T'entends quoi, le bouffon? Il n'a pas d'expérience, à la honte, c'est vrai ou pas? Ils se sont gênés, elles se sont gênées de dire qu'ils n'ont pas connu de haram. Et le normal, c'est quoi? Subhanallah, l'alim, l'alim, c'est pas incroyable. Et Nabi alayhi salatu wasalam dit, kullu ummati mu'afa, toute ma communauté sera préservée le jour du mois. Il lui sera fait miséricorde, sauf ceux qui divulguent leur péché au grand jour. Eux, ils sont menacés de la part d'Allah. Ceux qui divulguent leur péché au grand jour. Et fume, est-ce qu'il est en train de divulguer son péché ou il le cache? Mais devant les gens, devant un imam ou pas un imam? Ils s'en foutent. Parce que certains, des fois, ils ont honte. Ils voient un frère et ils cachent. C'est vrai ou pas? Et ils ont trouvé une technique pour l'alcool. Ils la mettent dans des bouteilles de coca. Il est afrit. Donc, il faut faire très attention au fait de divulguer les péchés au grand jour. Ça fait partie de ce qui fait en sorte qu'Allah il fera pas miséricorde à ces gens-là le jour du jugement. Et ça, Allah, ça fait très très peur. Parce que nous, on va rentrer au paradis avec quoi? Avec nos œuvres? Avec nos œuvres? Avec la miséricorde d'Allah. Nos œuvres ne valent pas l'entrée du paradis. C'est la miséricorde d'Allah, uniquement. Hein? En numéro 1, c'est la miséricorde d'Allah. Donc, il ne faut pas que tu comptes sur tes moyens pour avoir le bonheur et l'amour. Car c'est comme si tu disais à Allah que le bonheur qu'il cite dans le Coran, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja", quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et bien toi, c'est comme si tu étais en train de dire, ya Allah, tu as créé l'amour, mais je suis capable de le trouver autre part. Non. Tu veux l'amour, le bonheur, la joie, c'est dans le chemin de l'islam que tu le trouveras. Et dans le chemin, en dehors de l'islam, comptez avec moi toute personne qui a eu une relation illicite avec un homme ou une femme et qui se sont cachés pendant des années et ils se sont menti à eux-mêmes. T'inquiète, on va se marier. C'est un pieu, c'est une pieuse. C'est ni des pieux, ni des pieux, c'est des pieds. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Ils sont là, ils jouent les pieux, c'est des pieds. Donc, ils sont là en train de faire les cachotiers. Et comment ça se termine? Ça se termine souvent mal. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été construit sur des bases solides. Et quand ça ne se construit pas sur des bases solides, ça part. Donc, on a parlé bien comme il faut de ce point-là qui est les relations. Maintenant, parlons d'un autre point qui est Ushtuhira Indanas, qui est maintenant aujourd'hui qu'à la cote chez les gens et qui est normal et tu ne pourras pas le changer. Et c'est comme ça, point barre. Et si tu essaies de le changer, c'est comme si tu essaies de modifier un parmi les piliers de l'islam. J'aime bien exagérer un petit peu dans les trucs pour choquer. Et choquer pour le bon sens, bien sûr. Hein. Pas choquer pour vexer qui que ce soit. Wallah, et c'est pas mon but. Et je vous l'ai dit depuis le début de la conférence, je ne me prétends pas être plus pieux que vous, ni plus savant que vous. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est ce que j'ai dans mon cœur. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde le succès. Ce point aujourd'hui qui aussi s'est banalisé et que c'est devenu des péchés à volonté comme chez Flunch, et que les gens font normal, mais normal, c'est ce qui se passe la nuit du mariage. La cérémonie de mariage. On rentre un petit peu, on visite un peu nos cérémonies. On y va? Accrochez les ceintures, on est parti. Donc, on l'appelle Laylatul Umr. Laylatul Umr, n'est-ce pas? C'est la nuit de la vie. Faut marquer le coup. Cette nuit-là, tout le monde est unanime. Un consensus ijma. Que la femme doit être plus belle que belle. D'accord? Pas de soucis.
elle doit enlever son hijab parce que comment elle va montrer sa beauté. La salle doit être mixte. Il faut à tout prix DJ Momo. Si DJ Momo n'est pas là, l'histoire elle est crevée. Il faut DJ Momo. Il faut qu'il s'appelle Momo. Laissez ses noms propres, Allah ybarik fikoum. Appelle-le DJ Merguez, DJ Moutarde. Allez, Momo, pourquoi vous touchez à des noms propres comme ça? Hein? Taïl. DJ Momo, il est là. Maintenant, ben, DJ Momo fait les danser. Et Sahbi va voir la danse. Et va voir les tenues vestimentaires des hommes et des femmes. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Déjà, ce qui m'étonne, moi, avant de rentrer dans la visite, c'est qu'on appelle nos mariages, quand on veut faire un mariage carré, selon le Coran et la Sunna, un mariage, je l'ai entendu, islamique. Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que ça choque d'entendre le mot mariage islamique? Oui ou non, et pourquoi? Oui ou non, est-ce que c'est choquant d'entendre mariage islamique? Ça vous choque ou pas? Les frères? Oui ou non? Bon, je vais interroger comme à l'école. Toi, mon frère à lunettes. Ouais. Ah, parce que vous voulez pas lever la main, mon frère, je vais vous hagar. Toi. Dis-moi, un mariage islamique, comme ça formule comme ça, est-ce que ça te choque, oui ou non? C'est choquant. Pourquoi? Non, mais parce qu'on considère, en fait, tu sais, c'est mariage islamique. Comme si le mariage devait être autre qu'islamique. Mais t'es de quelle religion? T'es musulman, n'est-ce pas? Tu sais, c'est comme si, mariage islamique, j'étais chrétien, tu sais, j'ai l'impression de ça, moi. Je viens, je fais un mariage islamique et je reviens. Mais non, c'est mariage tout court. Pourquoi le mot islamique? Hein? Et quand tu le dis, ça rend fou les parents. Celui-là, il n'aime pas le bonheur, celui-là. Il n'aime pas le farha. C'est ça qu'on entend ou pas? Celui-là, il n'aime pas qu'on s'éclate. Hein, vous le dites? Ma fille, je veux cette nuit-là. D'accord, on est d'accord avec toi. Mais on a des alternatives. On a des portes licites qu'on peut ouvrir pour empêcher que cette soirée-là ne soit pas Laylatul Umr, mais Karithatul Umr. La catastrophe de la vie. Franchement, entre nous, une femme, tabarakallah, pudique. Jazallah khair, elle est là, elle se préserve toute l'année. D'accord, elle porte son hijab, etc. Et attention, je ne dis pas que celle qui ne le porte pas, c'est une femme qui n'est pas dans la religion ou qui n'est pas pieuse. Au contraire, elle peut être très très pieuse, mais elle a des petits freins, des petits blocages. Et on demande à Allah de faciliter à cette soeur qui ne l'a pas de le porter elle aussi. Dites amin. Là, vous l'avez dit. Donc, la soeur Miskina, elle est là, elle se préserve toute l'année, elle fait attention à son vestimentaire, elle est pudique, etc. Et ce soir-là, c'est normal à ses yeux, non seulement d'enlever ça, d'être devant plein d'hommes qui vont voir ses cheveux, donc elle aura des péchés. Parce que sachant que le port du voile, c'est une obligation, pas que dans notre religion, mais dans toutes les religions, il suffit juste de lire, d'accord? Après, ça c'est pour celui qui est musulman, il accepte. Celui qui n'est pas musulman, ben, voilà, c'est que tu veux. Hein? Mais un musulman, il sait que ça, dans les trois livres, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé du voile. D'accord? Taïm, t'as porté le hijab, ma soeur? Pourquoi ce soir-là, t'acceptes cette désobéissance? Mais en plus de ça, si seulement c'était que les cheveux, mais regarde ta tenue vestimentaire, tu vas mettre à nos limites ce soir-là. Pourquoi? Parce que ce qui est normal, c'est ça, mon frère. Parce que tout le monde le fait. Mais ma soeur, subhanallah, il y a un dans tout ça. Et imagine que tu meurs cette nuit-là. Est-ce qu'il est possible, oui ou non, que tu meurs cette nuit? Répondez. Non, c'est pas possible. Dans leur fort intérieur, ils le pensent. Après, on fera le repentir, inshallah. T'inquiète, je ferai tauba, j'irai à la Mecque, et tu sais, hein? Flûte, piano et tout le bazar. Et on est parti. Subhanallah, t'as pas de garantie. Tu n'as pas de garantie. Accident de voiture pendant que tu vas dans la salle, ceci, cela, ou en sortant, ou truc. Tu ne sais pas. L'ange de la mort, il peut passer à n'importe quel moment. Est-ce qu'on est prêt à rencontrer Allah? Et en plus de ça, subhanallah, imagine, t'es ressuscité le jour du nom. Le serviteur ou la servante d'Allah, subhanallah, Allah, subhanallah, il dit, mais pourquoi cette nuit? Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Et surtout, que si tu meurs cette nuit, comment est-ce que tu es ressuscité? De la même situation. Un Nabi alayhi salatu wa sallam, il a dit, innama al-a'mal bil khawatim, les actes ne valent que par leur fin. Le plus important dans ta vie, c'est la fin. Et il a dit aussi, alayhi salatu wa sallam, qu'on sera ressuscité de la même manière dont on est mort. Alors, tu meurs dans quelles conditions?
Ah, mon frère, normal. Normal aux yeux de qui? Aux yeux d'Allah? Aux yeux des gens? En fait, c'est ça qu'on aimerait voir aujourd'hui. On aimerait régler ce problème de normal. Qu'est-ce qui est normal et pour qui? D'accord? Est-ce que ça l'est aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala? Si ça l'est, ya Rabbi lakalham, tawakkal ala Allah, même si les gens y parlent, c'est pas grave. Mais si c'est pas normal aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu le fais, mais en plus, t'as pas honte de dire que tu le fais, tu culpabilises même pas, tu reconnais même pas. Regarde, quelqu'un qui fait le péché et qui le reconnaît, c'est déjà une étape. Mais quelqu'un qui le fait et qui ne le reconnaît pas, vous savez, c'est comme quoi? Il va chez le médecin, lui dit, je suis malade, il est malade, mais il donne aucun signe au médecin pour pouvoir identifier la maladie. Et même pas, c'est il est malade et il va pas voir le médecin parce que, voilà, il vit avec. Non. Faut faire attention. Donc voilà, aujourd'hui, tu vois, dans les mariages, la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Toi, tu es là, tu te dis, subhanallah, je vais aller dans ce mariage, je sais que au niveau vestimentaire, ça va pas être correct, qu'au niveau de la danse, ça va être harega, ça va être le feu, hein, qu'au niveau du rail, du DJ, ils ont mis le feu pour classe, les chaises, elles dansent. Pas à main que les gens ils dansent. Même la table et la chaise, elle va commencer à... Donc toi, tu es là, tu as peur pour ta foi. Tu dis, j'y vais pas. Bon, ils vont se vexer, je sais pas, c'est les membres de la famille quand même, je sais pas. Hein, ça vous arrive, surtout les frères et sœurs. Oui ou non? Ça vous arrive des fois d'être confronté à cette situation. On y va, on n'y va pas. Taïb. Si tu vas pas, c'est pas normal. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais en plus de ça, Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que parmi... Ça, c'est dans un hadith authentique. Et ça, alayhi jamahir al-ulama, pour ceux qui ont étudié un petit peu le fiqh, ils savent que al-wala'im, les repas de noces, hein, les repas de noces, donc les mariages, c'est une obligation religieuse d'y répondre à ces invitations. Mais il y a des conditions. Qu'il n'y ait pas de ma'asi là-bas. Qu'il n'y ait pas de péché commis dans ces endroits. Et si tu veux y aller, les savants ont donné des conditions que tu sois en mesure de pouvoir faire en sorte que ce munkar il parte, que ce mal parte. Tu as la capacité de venir faire partir le mal et le transformer. Donc, ils sont en train d'écouter de la musique, tu ramènes par exemple des chants, des anachides religieux, sans instrument de musique, tu as diminué le mal, d'accord? Tu essayes de trouver des alternatives dans la salle. Il y a une phrase que je dis souvent et qui marche, alhamdoulilah. C'est que souvent, quand on commence à parler de séparer les salles, ça y est, chez tout le monde, ça devient le feu pour le mariage. Ben, une chose qui est très simple, vous êtes d'accord avec moi, vous, les frères qui êtes mariés, que vous accepterez jamais de voir votre femme enlever son hijab devant un homme étranger, n'est-ce pas? Et ceux qui ne sont pas encore mariés, si elles le portent, tu n'aimerais pas ce soir-là que quelqu'un voit ses cheveux. T'es jaloux? Oh. Sahbi, ils sont bizarres les gens de mort là. Tu sais, je parle avec un biblique, il est cuit. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a quoi? Oui, je sais pas, ils attendent quoi les frères? Moi, je disais donc que tu n'acceptes pas ça, tu es d'accord avec moi? Taïb. Si tu ne l'acceptes pas, tout simplement on parle avec le père de famille, avec sagesse, hikmah, dis-lui voilà, moi, sachant que je n'accepte pas et que je veux que ma femme ce jour-là, elle fasse une belle coupe, les cheveux, ceci, cela. Et qu'en même temps, si elle fait ça, bah, elle ne peut pas les montrer aux hommes parce que je n'accepterai pas. Bah, khalas. Peut-être le père va dire, bah, laisse-la avec son voile et on est mélangé, on danse avec DJ, Momo et tout. Dis-lui, non. Moi, je veux qu'elle s'éclate et qu'elle fasse une belle coupe et tout. Pourquoi elle est étouffée cette soirée-là et utilise cette carte pour qu'à la fin, tu essaies de le convaincre qu'il y ait deux salles. Pourquoi? Pour sa chevelure, sa coupe, etc. Ça marche pour beaucoup de familles. Bon, là, je l'ai dit devant les parents, ils vont se dire, ah, la frite, il nous a donné le tuyau. On contrera cette attaque. Non, faites un effort pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on entend ce soir-là? On entend que des gens ils vont dans un mariage, ils restent des heures devant le miroir pour arranger du côté des hommes la cravate, costume. Ici, tout est tracé au millimètre, prends une règle. Tu vois, ici un millimètre, hein, c'est bon, ça continue, c'est bon, classe. Le parfum à fond, costume, hein, chemise, chaussures, clac, 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 cheveux, s'il en a. Hein. Et après, c'est parti. Il y en a, ils rigolent. Donc, et de l'autre côté, t'entends quoi? T'entends le type, il te dit, moi j'aimerais trop que cette soirée-là soit une superbe soirée. Qu'il y ait plein de femmes. Je kifferais qu'il y ait de la musique, de l'ambiance. Tu vois, je pourrais bien regarder tout ce qui se passe dans la soirée, tout ce qui me plaît. Tu vois? Ils ont tellement été habitués au péché que ça, c'est devenu pour eux normal. Même les femmes, elles espèrent qu'en allant à ce mariage, il y aura beaucoup d'hommes, peut-être, qu'un d'entre eux va les remarquer. Alors, elle y va,
Elle qui a toujours eu la pudeur et elle fait attention quand elle parle avec un homme, elle le vouvoie, elle baisse le regard. Ah, ce soir-là, t'inquiète. Ce soir-là, elle y va. Elle y va, elle se dit peut-être, on ne sait pas. On jette l'hameçon et on voit. Donc ça ne doit pas être normal tout ça. Tout ça, ça ne doit pas être normal. Pendant le mariage, on doit sortir du lot. Allah tabaraka ta'ala n'aimerait pas que l'on rende malheureux un de nos frères pour être heureux. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aimerait pas qu'on rende malheureux un de nos frères pour que l'on soit nous-mêmes heureux. Le prophète a dit, aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant que lorsqu'il désira pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. N'est-ce pas? Oh vous les humains, ne soyez jamais heureux en laissant votre frère malheureux. S'il nous a été donné, ordonné de ne pas être heureux alors que notre frère est malheureux, alors qu'en est-il de celui qui veut être heureux et qui en même temps rend son Seigneur mécontent de lui, en colère de lui? Qu'en est-il de lui? Malheureusement, c'est quoi? C'est devenu très, très, très normal. Donc, dans les mariages, ben, on voit tout ce que l'on voit. Et ce qu'il faudrait, c'est quoi? C'est de sortir du lot cette soirée-là et de se rappeler tout le temps « Alam ya'lam bi anna Allah yara » Ne sait-il pas qu'Allah vraiment le voit? Ensuite, le monde du travail. On bifurque, on passe à autre chose. Le monde du travail. On a posé une question aux gens. La question posée était « Si quelqu'un fait telle chose dans telle circonstance, est-ce que c'est normal ?» Les gens ont répondu « Non, c'est pas normal. » Ensuite, on leur a demandé « Et si cette même chose était faite dans d'autres circonstances, est-ce que c'est normal ?» Les gens ont répondu « Oui, à ce moment-là, c'est normal. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des péchés qui peuvent être faits dans des moments et dans d'autres moments. Vous avez des exemples? Je vais faire un message sur vous aussi. Hein. Ah, il va être roué là. Un exemple. D'un péché dans des endroits, il est normal et dans un autre, il n'est pas normal. Il parle du maillot de bain, taille. Supposons que, ou plutôt essayons d'imaginer qu'une personne s'habille d'une manière très provocatrice, et je parle ici d'une femme, dans un centre commercial. Déjà, vous êtes d'accord avec moi que ça interpelle tout le monde, ça choque, et même cette fille-là, enfin pour redonner le bon exemple, c'est cette fille qui aujourd'hui a une certaine pudeur et qui, dès qu'elle arrive au bled, devant le bhar, la mer, avec le petit soleil qui l'accompagne, elle commence à... Ça y est, c'est une transformation. Schizo. C'est plus la même. C'est plus la même. Elle ne s'habille pas de la même manière du tout. C'est-à-dire, elle passe du hijab au maillot, sans problème. Dis-lui, est-ce que tu pourrais marcher dans un centre commercial en maillot? Dire, t'es malade, ça ne va pas ou quoi? Donc, il y a des péchés qui sont normaux dans des endroits et qui ne sont pas dans d'autres endroits. À croire qu'il y a un Dieu et il faut avoir peur de lui ici. Et là-bas, bah, comme c'est juillet-août, c'est quoi cette histoire? Il faut faire attention à ça aussi. Parce qu'il y a des péchés qui sont normaux dans des endroits et dans d'autres qui ne le sont pas. Ça, il faut y faire très, 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 très attention. Parmi aussi les choses qui sont devenues plus que normales, c'est la désobéissance aux parents. Et ça, hadith wa la haraj, ça, on peut en parler jusqu'à l'Isha. Les enfants qui grandissent, au début, on les chouchoute, on leur amène tout ce qu'ils veulent. Combien de nuits ont été sacrifiées pour qu'ils mangent, qu'ils boivent, qu'ils dorment, qu'ils guérissent de leur maladie? Combien? Et les parents qui les accompagnent, qui ont peur pour eux, qui veulent pour eux que la réussite ait le succès. Et à la fin, ils grandissent, ils sortent leurs griffes. Et maintenant, Zama, la phase crise d'ado, crise où il lui manque un cerveau, il commence à parler mal à sa mère, il parle mal à son père, il pense qu'il comprend qu'eux ils comprennent pas. Ben en fait, vous venez du bled, vous comprenez rien, vous êtes des blédards. Nous, on est nés en France. Et donc, il commence à mal parler à ses parents. Et quand tu lui dis, mais pourquoi est-ce que quand ta mère elle te dit va faire les courses, tu lui dis, mais vas-y, dis à Mohamed, pourquoi tout le temps moi? Vas-y, tout le temps moi. Subhanallah. Est-ce que ta mère a été comme ça avec toi quand tu étais petit? Est-ce que ton père il était comme ça même jusqu'à maintenant quand tu lui demandes des choses? Est-ce qu'il continue à te supporter ou non alors que tu es mauvais? Que même beaucoup de gens n'arrivent pas à te supporter? Eux ils te supportent. C'est vrai ou c'est pas vrai?
C'était pas vrai. Il t'aime même si, voilà, t'as un casus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il te supporte. Mais pourquoi t'en arrives à ce stade où tu les mets en colère? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, la satisfaction d'Allah, elle est dans la satisfaction des parents. Et la colère d'Allah, elle est dans la colère des parents. Quand tu mets en colère tes parents, tu as mis en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ça te fait rien, ça? Il n'y a pas de problème pour ça? Et les nombreux hadiths qui parlent de celui qui est ingrat et mauvais avec ses parents, il va en enfer, il va en enfer, il va... T'en fais quoi? Et le verset où Allah subhanahu wa ta'ala... Le verset, les versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa yahwa » Après avoir parlé de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ordonne tout de suite la bienfaisance envers les parents. Immédiatement après, Al-Amr bil-Tawhid, il te parle de quoi? De la bienfaisance envers les parents. Et ça, pareil, comme tout le monde aujourd'hui respecte pas les parents, et on voit le numéro de téléphone de papa, on répond pas, le numéro de téléphone de maman, on répond pas, il me dit rentre à 20h, je rentre à minuit, et après je lui mens. Pourquoi? Et n'oublie pas une chose, kama tadin tudan, kama taf'al yuf'alu bik, comme tu fais on te fera. J'oublierai jamais cette histoire où une fois un jeune, il est rentré dans un bar, il a giflé son père. Les gens, ils ont... C'était comme vous, là. Quoi? C'est un coup de jus dans le cerveau. Les gens se sont réunis pour l'éclater bien. Dreha, mon frère, au cube. Il allait finir dans une assiette de grec. Et après, le père, il a dit, laissez-le. Quand j'étais jeune, il y a quelques années, j'ai fait la même chose à mon père. Et là, c'est la monnaie qu'on me rembourse. Comme tu fais, on te fera. Donc, regarde comment tu te comportes avec tes parents. Sache qu'il est fort possible que ça te touche. Donc fais super attention à ce point. Nous, nos parents, on les met ici, فوقرس, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Ils grandissent, ils deviennent vieux, et même jusqu'à ils vont uriner ou faire leurs besoins sur eux, je les nettoie avec maman en éprouvant du bonheur, tout comme eux, ils m'ont nettoyé quand j'étais petit, sans compter le nombre de fois, et il n'y avait aucun problème. Donc faites très attention à la désobéissance envers les parents. Ensuite, le vol. Le vol aussi... Est-ce que c'est normal de voler? La théorie, elle est toujours bonne. C'est con. Hein? Est-ce que c'est normal de voler? Non. Mais si tu regardes comment tu es au travail, pose-toi des questions. À l'heure à laquelle tu rentres et à l'heure à laquelle tu sors. Fais un examen de conscience. Est-ce que tu voles dans la caisse en ne pas respectant ses horaires ou non? Parce que tu es rémunéré de telle heure à telle heure, n'est-ce pas? Donc celle-là, peut-être vous ne le voyez pas comme ça, vous le volez. C'était un sac que j'arrache à une vieille. Non, c'est fini ça. Enfin, c'est fini. Vous avez ça au moins? Attention, vous ne répondez jamais. Donc, il y a une chose très importante à laquelle vous devez faire très attention. C'est les horaires de travail, l'utilisation de certaines choses dans le travail. Par exemple, on prête une voiture de fonction pour faire l'aller-retour au boulot. Il part avec à Carrefour, il fait ses courses, après il va au parc, après il descend dans le sud, il va au ski. Ça. Faut faire attention. Faut faire attention à tout ça. Et à chaque fois que tu parles aux gens, qu'est-ce qu'ils te disent? Normal. Pareil pour ce qui est de la vente des choses illicites, ou d'être caissier, faire passer de l'alcool, tout ça, ou d'être dans une épicerie, ou dans un bar, ou dans un hôtel, ou vendre des choses volées. À chaque fois, on te dit quoi? Normal. Et tu sais, ils ont plus des théories, les jeunes. Oh là 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 là. Trop fort. Tu lui dis, c'est quoi ça? Il dit, ouais, frère, j'ai un téléphone à vendre. Ah ouais? Combien? C'est un iPhone 6. Ah, il y a eu le 6 déjà qui existe? Ouais, voilà. On est tout neuf dans la boîte, emballage. Il coûte combien? Je le vends 100 balles. 100 euros? T'as la facture? Non, mais t'inquiète, mon frère, tu crois que j'ai une tête, moi, de voleur? Ben, tu sais, et ça, c'est devenu normal. Et ce qui serait bien, c'est quoi? Prenez l'habitude, quand vous achetez quelque chose, si ça, ce cas, il se présente, c'est de demander la facture. Il n'y a pas de facture, salam alaikum, shukran, bye bye, ciao. On n'en veut pas. J'en veux pas. Oulala l'adim, mais garde-le ton oulala l'adim. Tu l'as volé ou tu ne l'as pas volé, ça n'intéresse même plus. Il n'y a pas de facture, shukran, stop. D'accord? Parce que si on lui achète, on encourage à ce que ce processus continue. Ça va, c'est pas vrai. Donc, faire attention à ce point, ne pas dire normal. Parmi aussi les choses
qui malheureusement sont devenues plus que normales, c'est la cigarette. Pour d'autres, c'est un peu plus haut, la chiche. Pour d'autres, hein, la sniff. Pour d'autres, Zama, pour être un modéré dans la consommation, c'est Shemma. Shemma, vous connaissez ou pas? Non? Le tabac, il te le met dans le fond de sa bouche. Il prend comme ça de la pâte, tu vois. Et il te met ça là-dedans, ici. Tranquille. Voilà, moi, je ne fume pas la clope. Ah, cigarette haram, frère. Il est en train de... Et normal, pareil, normal. Normal, parce que tout le monde le fait. Tout le monde. Alors, tu peux écrire sur le paquet, fumer, c'est le cancer, c'est la mort, fumer, tu... Il dit, de toute façon, à chaque fois que je fume, je ne meurs pas tout de suite. Donc, hein? C'est du blabla, tout ça. C'est pas vrai. Alors, c'est normal aujourd'hui que le père fume, l'oncle fume, le fils fume. Ils sortent ensemble pour aller dans un café fumer. Fumer tout, hein? Même la chicha. Et la chicha, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah non, la chicha, tu ne peux pas dire ça haram. Déjà, ce n'est pas la cigarette. D'accord? En plus de ça, il n'y a pas écrit dessus. C'est pareil. Hein? Fumer-tu? Mais c'est des, machallah, des ulama, les gens qui parlent, des savants. Après, il te rajoute une autre couche, il dit en plus, ça fait délirer. C'est un délire. Et on a même des filles aujourd'hui, des filles, hein, des musulmanes, hijab ou pas, hein, peu importe, elles y vont, petite soirée, chicha, tout ça, on rigole. Et tu leur dis, mais arrêtez, c'est pas bon. Quoi? C'est devenu normal aux yeux des gens. C'est devenu normal. D'ailleurs même, quand tu restes dans un groupe où ils fument tous et toi tu fumes pas, t'es très mal vu. T'es tellement mal vu qu'il y en a toujours un dans l'assemblée qui va te dire, eh, écoute, vas-y, tiens, tire une latte. Essaye, tire une latte. Vas-y, teste, voilà, c'est un délire de fou. Et à la fin, on en arrive à culpabiliser de ne pas faire le péché parce qu'on a cette pression du groupe. Incroyable, wallah, la vie, incroyable. Normal. Alors que le jour du jugement, comment ça va se passer? Fala ansaba baynahum yawma idhin wa la yatasaalun. Il n'y aura plus de parenté entre ce jour-là. Il n'y a plus de lien de famille le jour du jugement. Ça y est, c'est chacun pour soi. Ça, c'est un verset. Hein? Wa la yatasaalun, et ils ne poseront pas de questions. Et Allah tabarak wa ta'ala dit yawma yafirru al-mar'u min akhihi. N'est-ce pas? Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Ce jour-là, il n'y a pas de « je suis ta mère, donne-moi une bonne action ». Il n'y a pas. C'est chacun « nafsi, nafsi ». Et ça sera la parole que va dire qui aussi? Allez, pour ceux qui ont étudié un petit peu l'aqida. Ça sera la parole de qui aussi? Je continue pas la conférence. Ah, parce que si c'est comme ça, mon frère, je ne continue pas. Je vais boire de l'eau pour l'instant. Alors? Qui a dit ça? Machallah, barakallahu fik. Ça sera la parole de tous les prophètes. En commençant par Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed alayhi salam, qui lui dira. Il ira se prosterner sous le trône, et le hadith, il est connu. D'accord? Donc, nafsi, nafsi. Même les prophètes, le jour du jugement, ils vont dire nafsi. Moi-même, ma propre personne. Si un jour, il fait trop peur. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du jour du jugement, il dit Yawma naj'alul wildana shiba. Le jour où on fera que les enfants seront comme des vieillards aux cheveux blancs. Les enfants, tellement ils vont être terrifiés de peur du climat du jour du jugement, ils auront les cheveux blancs. Qu'en est-il de nous qui avons noirci notre registre de péché? Et qui toute la journée chantons normal. Mais ce jour-là, comme dans le hadith qui est rapporté par Bukhari, où le prophète alayhi sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira à Adam, fais sortir de ta progéniture, hein, de ta descendance, ceux qui doivent habiter en enfer. Il lui dira, qui sont-ils? Il lui dira, de chaque 1999 qui vont en enfer. Et toi, tu es en sécurité là-bas, tout est normal, il n'y a pas de problème. Mais en fait, comment tu as réussi à gagner cette sécurité et de ne pas avoir peur du jour du jugement? Explique-moi. Apporte-moi des arguments, essaie de me convaincre. C'est quoi le duo que tu as
pour être en sécurité, Allah tabaraka wa ta'ala, dans un hadith qudsi, dit: par ma puissance, je ne réunis pas dans le cœur de mon serviteur de peur et de quiétude. Si mon serviteur a peur de moi sur terre, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Et si mon serviteur est en sécurité sur terre, je lui ferai peur le jour du jugement. Tu fais partie de quelle catégorie? Tu te sens en sécurité? Mais qu'as-tu fait comme œuvre pour sentir cette sécurité? T'es prêt? Donc si l'ange de la mort il vient tout de suite pendant que je suis en train de parler, comment ça se passe le jour du jugement pour nous? On sera où? Avec les gagnants ou les perdants? On a fait assez de bonnes actions? Assez de repentir? Assez de repieuses? On a soudé les cinq piliers d'islam? Les obligations de l'islam sont bien remplies? Qui peut lever la main et dire: moi je suis prêt à rencontrer l'ange de la mort? J'espère qu'aucun d'entre vous. Les compagnons, radiallahu anhum, comment ils étaient? Ils avaient peur ce jour-là. Les compagnons, les hommes les plus purs. Omar ibn Khattab, radiallahu anhum, il s'est rapporté par l'imam Ahmed. Il parle d'Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhum. Abu Bakr, c'est le meilleur compagnon du prophète, alayhi salatu wasalam, et ça, il n'y a pas de discussion dessus. Abu Bakr, Omar, il dit de lui: si on mettait la foi d'Abu Bakr sur le plateau d'une balance, et la foi de toute la communauté musulmane sur l'autre plateau de la balance, laquelle l'emporterait? Celle d'Abu Bakr, elle serait plus lourde. Abu Bakr, cet homme pieux, une fois il a vu un oiseau et il a dit: si seulement j'étais cet oiseau pour qu'Allah ne me juge pas. Il a peur du jugement, Abu Bakr. Abu Bakr, il se sentait hypocrite. Et nous, on se sent super musulmans, super pieux. Il n'y a pas de je meurs, Firdaus al-A'la. Min ayna laka hadha? D'où ça vient tout ça? Omar ibn Khattab, il n'avait pas peur? Wallah al-Azim, il avait peur. Regarde dans sa biographie. Regarde. Regarde la vie de ses califes. Regarde Othman, regarde Ali, regarde Sahab ibn Mas'ud, regarde Mu'ad ibn Jabal. Radiallahu anhu, avant de mourir, ce qu'il a dit dans son lit de mort. Regarde les compagnons. Regarde les femmes du prophète, alayhi salatu wasalam. Et culpabiliser tout le temps. Et nous, on a la sécurité totale. Nous, juste on meurt, on va au paradis. Wa ma yudrik. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Et parmi les choses qui sont devenues normales, pour que j'essaye de finir, Inch'Allah, pile poil pour le Maghreb, Inch'Allah, parce que je pense que le temps, je ne sais pas c'est à quelle heure exactement, mais c'est dans les minutes qui suivent. Feuilleton où ça parle d'amour à tout va, normal. Télé-réalité, normal. Clip, normal. Film où il y a du haram, normal. Hein? Moussel Salat, même pendant Ramadan, subhanallah, au lieu de rester devant le Coran, elle est là, elle est en train de couper les concombres. Pousse-toi, je ne vois pas! C'est vrai ou pas? C'est une folie! Subhanallah, mais au lieu de regarder ça, regarde un dirs! Je sais pas, écoute quelque chose de profitable, de bénéfique! Tout le temps à justifier ça en disant quoi? Normal! Les jeunes aujourd'hui, vestimentaires du côté homme-femme, des styles extraordinaires. Un homme aujourd'hui fashion, c'est quelqu'un qui met un slim. Un homme qui a du style, c'est quelqu'un, on voit ses sous-vêtements, qui met des t-shirts serrés, qui a, tu sais, c'est vrai, j'aimerais bien la comprendre, il faut m'expliquer ça. Là. Sourcil, il a une balafre dessus, on dirait qu'il s'embrouille avec quelqu'un, va savoir, il met une boucle d'oreille, oh, qu'est-ce qu'il est belle, tu peux plus dire il est beau. Tu vois ou pas? C'est un bonhomme, et il a une boucle d'oreille. Veste méga ultra serrée, voilà, il marche Kinder Pinguin type. Tu vois? C'est vrai ou pas? C'est un pingouin, c'est pas un humain. Tellement tout est moulax. De l'autre côté, du côté des femmes, pareil. Des modes riz à jib. Il y a même. Je vais tout de suite en parler, hein, ça, je vais pas le cacher ça. Des sœurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide et les ramène vers la vérité. Et je suis pas en train de le juger, les sœurs en elles-mêmes, en disant elles sont égarées, elles vont en enfer. Jamais de la vie je me prononcerai de dire ça sur une sœur. Mais par contre, ce qu'elles font, c'est hyper grave et j'espère que ce message va les atteindre. Elles font des vidéos sur YouTube pour apprendre à porter le hijab. Mon frère, t'envoies une de ces vidéos, accroche-toi à la chaise. Tu risques de décoller, mon frère. Tu voles. Une fois, on m'a envoyé une vidéo, on m'a dit oh, regarde, qu'est-ce que t'en penses de ça? Sur mes emails, je reçois des centaines de trucs bizarres tordus comme ça. Donc tout ce qui est tordu, je le reçois. Et je clique par curiosité, je regarde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on met le hijab. Elle a préparé 5 hijabs sur le lit.
tu vois, 5, 100 000, tu vois, les, comment ça s'appelle, les épingles ou. Des trucs, des brochettes, tout ça, machin. Elle met le premier comme ça, le deuxième. La vidéo, elle dure 45 minutes. Et des vidéos qui font des centaines de milliers de vues. Et je me pose la question sur le cerveau de ceux qui regardent. Tu vois ? Elle est là, là. Et la prochaine vidéo, maintenant, je vais vous montrer mon maquillage. Une boîte de peinture. Enduit, la première couche. Ponçage et tout. Elle met tous les outils. Et elle est partie. Mais la folie, c'est pas que elle, c'est ceux qui regardent et qui lui accordent de l'audience. Mais pas laisser ses vidéos à jamais. Vous voulez vous habiller comme une musulmane, c'est pas elle qui va vous dicter ça. Elle-même, elle a besoin qu'on lui enseigne ce que l'islam dit. Elle met un hijab qui a besoin d'un hijab. Ça s'appelle un hijab taïwanais, ce qu'elle a mis. C'est pas un hijab shara'i, taïwanais. Imagine Taïwan. Donc, ça, c'est une chose. Après, t'as l'homme qui te fait ça, des gourmettes. L'homme, il a des gourmettes. Et il a une chaîne. Et je l'ai dit. Hein. Les chaînes, les frères, je vais être direct avec vous. Pas de pincettes, pas de gants, rien du tout. J'ai pas le temps. Ouais, donc, alors, pour les chaînes, c'est très simple. Il y a que deux catégories de personnes qui en mettent. Les femmes. Donc, et des fois, ils marchent et montrent. Les sous-vêtements, après vous avez compris, tant mieux. De toute façon, vous êtes cuits, regarde comment vous êtes. Bouge pas, les types. Hein? Des vêtements, ahwal, les hommes, pareil, les femmes. Après avoir parlé du manque de pudeur, attaquons maintenant ce que la langue prononce. La langue. Comment est-ce qu'ils étaient nos ancêtres, les plus prédécesseurs? Al-Lisan, كيف كان يستعمل عندهم? Comment ils utilisaient leur langue? Est-ce que c'était dans qu'il قال, les on dit, rapporté, al-Namam, namima? Attention, c'est quoi un ammam? Un Nabi Al-Sam, il dit, là, être le djan un ammam. N'entre pas au paradis, un rapporteur. Ici, il est parlé de quel type de rapporteur? De celui qui rapporte tous les dires des gens les uns sur les autres, dans le but de corrompre leur relation. Ça, c'est un ammam. D'accord? Et on a aussi, al-ghaiba qui était interdite, c'est quoi? Vikruka akhak bima yakra. C'est le fait de parler sur ton frère en évoquant des choses qu'il détesterait entendre s'il était en face de toi. Ça, c'est la médisance. Parler sur d'autres ton frère. Ça, c'est quoi aussi? La langue. Aussi, al-mensonge. Hein? Le mensonge, al-kadhib. On a quoi encore? Le fait de maudire, de dire des gros mots. Et les gros mots, ça y va. Mais ce qui est impressionnant en plus pour les gros mots, c'est que le type, par exemple, il se claque la porte au doigt. La première chose qu'il dit, c'est quoi? Dites pas. Il dit un gros mot. Mais c'est pas le gros mot qui va diminuer ta douleur. Dis Alhamdulillah. Alhamdulillah, ton doigt s'est pas coupé. Dis Alhamdulillah. De toute façon, regarde, de toute la manière, la douleur va partir. Au moins, on fait la partie avec une belle parole. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc le réflexe, toujours, il est dans quoi? Le négatif, jusqu'à même. Et ça, vous êtes d'accord avec moi sur l'utilisation de la langue? En tout cas, chez nous, sur Paris, ça, c'est devenu une mode. J'espère que ça ne sera pas chez moi. J'espère. Je ne suis pas en train de vous le dire pour après vous utiliser ça chez vous. Les jeunes, quand ils veulent dire un truc, il est mortel, super bien, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ça, c'est sale. C'est-à-dire, même pour dire du bien, il dit du mal. Tu vois? Il dit, voilà, mon frère, j'ai trouvé un de ces restaurants sale. Sale! Le resto il est sale! Tu sais, quand tu l'entends pour la première fois, tu te dis, ah ouais, il doit y avoir des rats, tout ça, des tonnes d'araignées. Ouais, c'est pour montrer en fait la langue, elle est mal configurée, elle est mal programmée. Même pour dire des mal paroles, on dit quoi? Du mauvais. Et c'est devenu quelque chose de normal, wallah musta'an, normal. C'est trop dangereux de dire normal, vous savez pourquoi? Parce que c'est comme si vous disiez, de toute façon, Allah accepte ça. De toute façon, si je fais ça, je sais que ça ne va pas mettre en colère mon Seigneur. C'est différent de celui qui va dire, oui, je sais que c'est pas bien, Inch'Allah, je vais faire un effort pour arrêter. Mais quelqu'un qui, par contre, dit normal, alors il s'entête, il fait le haram, et en plus, il essaye de trouver des justifications. Mais ça, on vit dans ça, on est en plein dans ça. En plein dans ça. Des gens qui veulent faire du haram, ils le justifient. Et qu'est-ce qu'ils ont comme méthode? Ah, ils en ont lu des. Ils ont de l'expérience en tout cas. Tu lui dis, il a l'alcool. Il dit, HB, gazouz et dahak. C'est vrai ou pas? Une boisson qui fait rire. Et voilà, chaque fois une petite astuce pour pouvoir sortir de l'huram, de l'interdiction. C'est dangereux de prendre une place qui n'est pas la sienne.
ne prend surtout pas la place d'Allah. C'est lui seul qui peut dire que ça c'est licite ou non, que ça c'est normal ou non. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate An-Nazi'at, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Qu'Allah nous en préserve. Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Il y en a parmi vous qui aimeraient goûter à l'enfer ne serait-ce qu'une seconde? Levez la main. Ça va, alhamdoulilah. Mais ça reste quoi? La théorie. Mais dans la pratique, tu t'aperçois que malheureusement, il y en a beaucoup, ils oublient. C'est pour ça que c'est super important de faire des rappels comme les frères Zamalakhir de Salam, qu'Allah les récompense, une équipe en or. Je rattrape ce que j'ai dit tout à l'heure. Une équipe en or, mashallah, je me suis assis avec eux. Je vous encourage non seulement à les soutenir, à les assister, à partager leurs informations, hein, à venir dans leurs invitations et à leurs conférences, parce que ça ne peut faire que du bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et peu importe ce que tu as appris comme science, et même si tout ce que j'ai dit tu le connaissais déjà, le rappel profite aux croyants. Et nous on oublie, on a besoin qu'on nous répète la même chose. Et la beauté de cette religion, elle est dans sa répétition. Plus tu répètes, plus ça fait du bien. On a besoin de ça, on se sent en sécurité quand on est en groupe et on se sent fort. Par contre, quand on est seul dispersé, on se sent plus faible. On sent qu'on est une proie qui peut être attaquée rapidement par Shayatin et l'insu al-jinn. Allah tabarak wa ta'ala a dit: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. Et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. Ça veut dire quoi? Ne te mets jamais devant Allah et son messager. Toi, tu es derrière. Allah subhanahu wa ta'ala dit quelque chose, sam'an wa ta'a, j'obéis. C'est dur, ma'alish, le prix du paradis, hein? Faut le payer. Ala inna sil'at Allah ghaliya, hein? La marchandise d'Allah, elle vaut cher. Ala inna sil'at Allah hiya al-jannah. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Faut que tu en payes le prix. Ne pense pas que tu auras accès au paradis comme ça sans que tu payes le prix. C'est pas possible. Tu auras des gens qui vont te parler mal, qui vont te pointer du doigt. Tu seras stigmatisé. On va se moquer de toi. On va te critiquer. On va. Tu patientes et tu fais comme nos ancêtres, rahimahumullah wa radiyallahu anhum, qui eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à œuvrer, continué à améliorer la relation avec Allah. Et plus ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est solide, plus les secousses sur terre, elles sont toutes faibles et légères et elles passent rapidement. Mais quand ta relation avec Allah est faible, la plus petite épreuve, elle te perturbe. La plus petite. Dans ta santé, dans ta famille, dans tes études, dans une relation de couple, dans une relation où un frère est venu demander un mariage à une sœur ou autre. Prends. Alors donc, personne n'a le droit de donner un ordre à part Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé pour nous, khalas. Et il faut faire toujours attention à ces péchés, car plus ils se multiplient, plus le gars devient quoi? Il devient noir. Et écoutez avec moi ce hadith pour terminer. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, à ses débuts, l'islam était étranger. Bada l'islam ou ghaliban. À ses débuts, l'islam était étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé. Et après, Nabi Asim dit, Fatouba l'il-Ghuraba, il dit, Touba, c'est un endroit bien précis, bien particulier qui est destiné à une catégorie de personnes au paradis. Donc une place particulière sera réservée au paradis. À qui? Touba l'il-Ghuraba, aux étrangers. Et on a dit au prophète, alayhi salam, qui sont ces étrangers au messager d'Allah? Il a dit, ceux qui s'attacheront à la vertu, au dîn, à la religion, lorsque les gens seront corrompus. C'est-à-dire que tous les gens, ils sont en train de partir à gauche vers une vague qui est mauvaise, va contre courant, et toi, va vers le chemin de la droiture, de la guidée, de la piété. Tous les gens, ils veulent sortir dans le haram avec des femmes, ils veulent consommer de l'alcool, ils veulent fumer, ils veulent vendre, si, ça, dans le travail, dans la relation familiale, dans le couple, avec les enfants, avec la femme, avec les parents. Ils veulent faire ça, toi, prends l'autre chemin, le chemin du dîn. Sois pas quelqu'un qui dit toute la journée normal et tu suis comme un mouton. T'es pas un mouton. T'es quelqu'un d'exceptionnel. Tu fais partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez, c'est avec ce hadith que je termine, inshallah, que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qu'il viendra une période de trouble et de tentation. Celui qui s'attache à la religion pendant cette période, c'est comme s'il tenait une braise de feu dans la main. Est-ce qu'on vit cette époque ou pas? C'est difficile aujourd'hui de tenir ça en vie. C'est comme si tu tenais du feu. Ça va pas? Nabi alayhi salam, il parle des gens de cette catégorie de personnes. Il dit, ces gens-là qui viendront et qui ne m'ont pas vu et qui ont cru en moi, hein, ces gens-là, ils auront la récompense de 50 hommes. On a dit au prophète alayhi salam, 50 hommes parmi nous, les compagnons, ou parmi eux? Il a dit 50 hommes parmi vous. Celui qui s'accroche à la religion, dans cette époque, il a la récompense de 50 compagnons.
les compagnons qui ont tout sacrifié pour Nabi alayhi salam. Et on entend, c'est eux nos héros, c'est eux nos modèles, c'est eux qu'on doit suivre, c'est eux qu'on doit présenter à nos enfants. On doit leur parler de Khabbab ibn al-Arat, de Hamza, de Bilal, d'Abu Bakr, hein, de Uthman ibn Affan, de Mu'ad ibn Jabal, de Talha ibn Ubaidillah, d'Abu Ubaid ibn al-Jarrah. C'est ces noms-là qu'on doit exposer. Nos sœurs, elles doivent entendre parler de Hafsa, Maryam, Asiya, elles doivent entendre parler de Khadija, de Soumaya, elles doivent entendre parler de Asma ibn Abi Bakr, de Fatima ibn Rasulillah, de Zainab. C'est ces noms qui doivent être exposés à nos enfants pour que les modèles changent. Au lieu aujourd'hui que les modèles soient des rappeurs et des footballeurs et des chanteurs et des acteurs et des comiques, non, ça doit changer. Pourquoi ? Parce que nous, on n'est pas une communauté qui est dans le club des moutons et qui dit tout le temps normal, normal. Non, nous, on est une communauté exceptionnelle et extraordinaire. Et je demande à Allah tabaraka ta'ala d'améliorer notre relation avec Allah Azza wa Jal. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك